le délégué a accompli les choses de façon très pointilleuse et à sa suite, je ne vais pas refaire un peu la cartographie et le scénario de ce qui va se passer et des équipes qui sont présentes ici. Je rappelle simplement que la 134e session du CIO en juin 2019 à Lausanne a décidé de confier l'organisation du tournoi qualificatif olympique TQO continental de la boxe au Comité national olympique du Sénégal. Le CIO, comme Ibrahim l'a magistralement rappelé, a suspendu la IBA pour cause de mauvaise gouvernance. Et ainsi, sur chaque continent, le CIO a désigné un pays pour organiser un tournoi qualificatif. Un, Afrique, c'est le Sénégal, la Tanzanie. Deux, c'est l'Asie, l'Océanie, Chine, Yuan. Trois, l'Europe, Grande-Bretagne, donc, quatre, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, pardon, l'Argentine. Ce tournoi se déroulera du 19 au 29 février à Dakar. L'Arena Diamnadio, comme l'a rappelé, qui était très complet dans son exposé, ce qui va m'amener à être un peu plus court. Ça va regrouper les meilleurs boxeurs venant de 54 pays africains. Environ 350 boxeurs sont attendus, répartis en 13 catégories, dont 8 chez les hommes et 5 chez les filles. Seuls 3 boxeurs par catégorie au maximum peuvent se qualifier au JO Tokyo 2020. Je vous remercie donc pour cet événement, toutes les structures et les bonnes volontés qui nous accompagnent pour la réalisation de ce challenge que je considère aussi comme un test des JOJ Dakar 2022. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous souhaite à tous ainsi qu'à vos familles de bonnes et heureuses années. Et je déclare installer l'équipe de l'organisation du tournoi. Merci beaucoup, merci d'être là.